destination idéale pour des vacances de rêve aux Caraïbes, la Barbade réunit la plage, le rhum et les courses hippiques. Une affaire très sérieuse dans cette île paradisiaque qui concentre beaucoup de milliardaires, dont les patrons de Coolmore, sponsor officiel de la Gold Cup à travers leur hôtel de luxe, le Sandy Lane. Fait unique parmi les grands pays de course dits exotiques, le champion est ce qu'on appelle un Black Native. Victor Cheeseman a aligné en 2019 à 59 ans son 7e titre de meilleur entraîneur consécutif. En 2016, il a aussi gagné le Barbados Derby avec l'Alzan Northern Star, reconnu comme le meilleur pur sang né sur l'île de tous les temps, qu'il a lui-même élevé dans une ancienne plantation de sucre. Northern Star, he's a real star, not a mock star. I train horses, groom horses. And then he can run a horse just as good as Northern Star. You know, he's very intelligent. Anything that you want him to do, he do. You know, he went through a lot. Lui qui ne provenait pas de la haute classe des béquets locaux, Cheeseman a grimpé tous les échelons depuis la base avant de s'imposer comme l'entraîneur le plus titré de l'histoire des courses de la Barbade. Yes, I started from a groom. First thing, my father wasn't want me to be running the garrison with the horses. He get a job for me. Billy Coffins, all they should do is lay down the coffins and sleep because they didn't like Billy Coffins. After I get from my own den, I leave and I come straight to the garrison. He ain't lived to see what I achieved. You know, it was very nice that I guess come true and you know, deal with the horses very nice and I did know them very good and I come from there and to be a trainer. Tandis que ses principaux rivaux profitent de centres d'entraînement privés de propriétaires richissimes à l'extérieur de la ville, Cheeseman est installé dans les écuries de l'unique hippodrome en plein cœur de la capitale Bridgetown. Mais tous les matins, il va lui-même couper de l'herbe fraîche dans les montagnes. Well, this particular track, you have to put in your work and think, but you have to deal with the sea a lot too. The sea will help you if you depend on the race track alone. You know, the horses will mash up because they're very tight turn. You have to give your horses a little break and go in the water and do some swimming and you will get some success. Loin des centres urbains et touristiques, Victor Cheeseman s'enfonce dans la jungle sur les hauteurs de l'île pour aller voir tous les après-midi son élevage personnel dans une clairière isolée de 25 hectares. Homme de cheval complet, féru de pédigrée, Victor Cheeseman y a fait naître son crack Northern Star, un fils de Carpe Diem, né d'un inbred très serré, 2x3, sur Nosferatu, le chef de race local. Il détient toute la famille, dont la mère Aquarius Star, 9 fois gagnante sous son propre entraînement. The Fisher Pond is an old plantation in St. Thomas. You know, we bring the horses here and they have a lot of room to run boat and enjoy themselves. And we hope that we could breed another Derby winner from down inside here. Well, they have various grass here. They have about 6 or 7 types of grass here, you know. We have good grazing spots. And we always have grass here, it never dry up. Always, from year to year, we have grass here for the horses to eat. Au cœur des Caraïbes, dans une industrie des courses méconnue et pourtant puissante, Victor Cheeseman a su s'imposer comme le patron, mais aussi comme un modèle d'ascension pour les natives, au sein d'un milieu d'apparence fermé, mais qui finit toujours par récompenser le talent et l'abnégation. I always feel that I want to own a horse. I always feel that I would breed a Derby winner. And it happened, and I think I will breed many more. You know, that's just my passion, and I will go from there.